Seigneur Yeshua, nous voulons te prier, Seigneur, d'envoyer ton esprit, Seigneur, maintenant sur nous. Que ce ne soit pas un homme qui parle, mais toi, ta parole. Tu es la parole vivante. Tu es Dieu. Et nous voulons, Seigneur, recevoir de toi l'enseignement. Seigneur, je te prie de me cacher derrière toi et que ta parole puisse être ouverte pour nous cet après-midi. Que cette parole puisse pénétrer dans nos cœurs, faire leur effet, Seigneur, et qu'elle puisse retourner à toi en ayant fait leur effet. Que nos cœurs soient ouverts, Seigneur, que nos esprits soient ouverts et disposés. Que ton saint nom soit béni. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tu peux augmenter un petit peu le... Voilà. Comme ça, ça va? Oui? C'est bon? Alors voilà, le Seigneur a mis sur mon cœur un sujet très particulier. Je vais vous parler du prophète le plus méprisé de la Bible. Il s'agit de Jérémie. Jérémie est un prophète qui a vécu une période très particulière qui ressemble très fort à la nôtre. Et c'est pourquoi je voulais vous en parler cet après-midi. Et pour commencer, je voudrais un peu replacer les circonstances de sa vie et de sa naissance. À savoir que Jérémie... est né dans des circonstances tout à fait particulières et dans un village tout à fait particulier. Mais d'abord, je voudrais vous parler un petit peu du prophète Ésaïe. Alors vous allez dire, pourquoi parler du prophète Ésaïe alors que je dois parler de Jérémie? C'est pour bien placer les choses. Ésaïe était certainement l'un des plus grands prophètes d'Israël, souvent comparé à Moshé. Son père, Ésaïe, s'appelle Amot. Et il y a une règle quand on lit la Bible, c'est que lorsque le nom d'un prophète est cité avec celui de son père, quand son père est cité, ça veut dire que son père était aussi un prophète. Et puis, lorsque le nom du prophète n'est pas accompagné du nom de sa ville, ça veut dire qu'il était de Yerushalayim. Donc, Ésaïe, son père était un prophète, et il était de Jérusalem. Il a sans doute été quelqu'un de très haute maison, et il a reçu une éducation de qualité. Et selon un midrash, il serait né circoncis. Le père d'Ésaïe, selon le Talmud, était le frère du roi Amatsia. Je vous donne toutes ces précisions pour vous montrer un peu quel genre de personne était Ésaïe. Et Ésaïe fréquentait assidûment le temple, et c'est comme ça qu'il a pu avoir la vision du trône de Dieu dans le temple, et il a eu la vision de Dieu, ce qui est très rare. Il appelait son épouse la prophétesse, ce qui est aussi un titre très rare donné à des femmes. Il n'y en a que trois, en dehors de la femme d'Ésaïe, qui ont eu ce titre. Il y a eu Myriam, la sœur de Moshé, il y a eu Déborah, et il y avait Hulda. Trois femmes prophétesses seulement. Nous savons par les Écritures qu'Ésaïe a eu deux garçons. Et la tradition, donc le Talmud,
nous dit qu'il a également eu une fille du nom de Hephzibah. Écoutez, c'est important parce que cette fille a donné naissance au roi Manassé. Autrement dit, Ésaïe serait le grand-père du roi Manassé, roi de Juda, qui a été roi pendant 55 ans et qui a été le plus mauvais roi de tous les temps. Donc vous imaginez un grand prophète dont le petit-fils est vraiment quelqu'un de terrible. Jérémie est né à la fin du règne de Manassé. Donc vous voyez qu'il est né longtemps après. Et Manassé a été un roi tellement terrible. Je vous lis simplement quelques paroles concernant Manassé. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il mit l'idole Astarté qu'il avait faite dans la maison dans laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison, c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux toujours placer mon nom. Il avait donc mis Astarté dans le temple. Je vais pas passer sur ces choses, rapidement, mais quand on fait ces choses-là, il y a des malédictions qui s'installent. J'en sais quelque chose parce que chez moi, il y a eu 5 morts à cause de ces choses-là. Mais je ne vais pas développer. Le roi Manassé était tellement mauvais qu'il a fait un procès à son grand-père, Ésaïe. Et il l'a accusé de 3 choses. Il dit, ton maître Moïse a dit, car nul homme ne peut me voir et vivre. Or toi, tu as dit que tu as vu Dieu dans le temple. Donc tu es un menteur. Ça, c'est la première accusation. La deuxième, ton maître Moïse a dit, car quelle est la grande nation qui est des dieux proches d'elle, comme Hachem, notre Elohim, l'est toutes les fois que nous appelons vers lui. Et toi, tu as laissé écrire, cherchez Hachem pendant qu'il est accessible, appelez-le pendant qu'il est proche, ce qui implique qu'il y a des moments où il n'est ni accessible ni proche. Et la troisième accusation, ton maître Moïse a dit « Je comblerai la mesure de tes jours », c'est-à-dire sans jamais rien y ajouter. Or toi, Ésaïe, tu as dit à Ézéchias, tu as dit « Je prolongerai tes jours de 15 ans ». Le résultat de ces accusations, c'est que Manassé a fait mettre à mort son grand-père, le prophète Ésaïe, à l'âge de 120 ans, et Ésaïe ne s'est pas défendu du tout. Ésaïe a été mis entre des planches et il a été scié en commençant par sa bouche. Voilà ce qu'a fait Manassé. Et vous comprenez que les Juifs, quand ils lisent Ésaïe 53, que nous nous appliquons à Yeshua, le serviteur souffrant, eh bien, eux, ils comprennent que c'est Ésaïe. Eh bien, voilà, Jérémie est né à cette époque-là. Il est né, et comme si Ésaïe, qui venait de mourir, lui avait passé le relais pour dire « Maintenant, tu vas dire la vérité à ce peuple. » Le prophète est donc né à la fin du règne de Manassé et ce relais se passe. C'est une période très très particulière. Les événements dramatiques s'annoncent.
Et je vous assure que ces événements ressemblent aux événements que nous vivons actuellement. C'est quelque chose de tout à fait actuel. Les rois de Juda pensaient qu'ils étaient invincibles. De même que les autorités de notre monde, de l'Europe, etc., pensent qu'ils sont tout-puissants. Je ne vais pas rentrer dans des domaines politiques, ce serait très compliqué, mais vous savez, l'arrogance des hommes politiques actuels n'a d'égal que leur incompétence. Et la foi chrétienne a perdu son sel. Et elle se contente bien souvent, moi je vais dans beaucoup d'assemblées, je vais dans beaucoup d'endroits et je vois des choses. Et elle se contente bien souvent d'un humanisme assaisonné de tolérance naïve. L'Église est à la fois pleine d'elle-même et tiède. L'apostasie, elle est partout. Il n'y a que quelques-uns qui résistent au milieu de ce monde. Et la société est à la veille de son écroulement. Ça fait des années et des années maintenant que je dis que la société a été bâtie sur des piliers que Dieu a installés et que nos sociétés sont en train de scier un à un. Et quand ces piliers, la société tient, mais il suffira d'en scier encore un, et tout va s'écrouler. Et le prophète Jérémie est venu à cette époque-là, où tout allait s'écrouler. Je remarque que dans la société et dans l'Église, ce qu'on appelle l'Église, d'une manière générale, tout se divise en deux. Il y a ceux qui aiment la vérité et ceux qui en font fi. Il y a ceux qui aiment Israël et il y a ceux qui ne l'aiment pas. Les uns formeront une partie de l'épouse, les autres formeront la prostituée. Et le clivage s'accentue au point où le monde en arrive et prêt à sacrifier Israël. Prêt à sacrifier Israël. Qui, à un moment donné, osera encore donner un verre d'eau à un juif? Nous approchons de ce temps. Qui osera encore défendre Israël? Nous approchons de ce temps. N'oubliez pas que les nations vont être jugées sur un critère qui a été donné par Joël. Je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, et là j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. C'est à ce sujet que les nations seront jugées. Et dans cette ambiance de fin de civilisation, quelques hommes et femmes de Dieu proclament la parole avec droiture. Jérémie a été le prophète le plus méprisé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et Dieu est allé chercher au fin fond d'un village qui s'appelle Anatote, village maudit. Il est allé chercher le plus petit des petits et il en a fait le prophète des nations. Le prophète des nations que personne n'écoutait parce qu'il prophétisait des choses qui ne plaisaient pas. Jérémie va connaître cinq rois de Juda. À la mort du roi Manassé, son fils Amon n'était pas meilleur que lui. Il lui a succédé et il a été assassiné 2 ans plus tard. Alors Josias avait 8 ans
Il est devenu roi à l'âge de 8 ans. Et quand il a été roi depuis 13 ans, donc ça lui fait 21 ans, à l'âge de 21 ans, eh bien c'est à ce moment-là que Jérémie est appelé par Dieu. Et Josias va purifier Jérusalem des hauts lieux, parce que les dégâts qui ont été faits par son grand-père sont tellement catastrophiques qu'il faut purifier tout le pays. Alors il va détruire les autels de Baal, il va détruire la maison où tout ça a été fait, et puis il va retrouver les rouleaux de la Torah et va rétablir la Pâque. Il va y avoir un réveil. Et le règne de Joas va durer 31 ans. Un réveil de 31 ans. Mais écoutez, quelque chose de terrible s'était passé. Et cette chose terrible s'est aussi passée dans notre société. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Parce que lorsque le règne de Joas a été terminé, Dieu a dit ceci. « Toutefois l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Juda à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Et l'Éternel dit aussi, « J'ôterai Juda de devant ma face comme j'ai ôté Israël. » Et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. Autrement dit, un règne de 55 ans catastrophique, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les enfants n'ont pas été enseignés. Ça fait que les piliers de la société ont été rongés. Et lorsque Josias arrive et qu'il veut réparer ça, la réparation n'est que superficielle. Elle n'est que superficielle. Et Dieu dit, les racines sont pourries. Les racines sont pourries. Écoutez, mes amis, j'ai beaucoup de respect pour le général de Gaulle. Mais le général de Gaulle a commis une grande faute. Lorsqu'il y a eu la guerre des six jours, il a fait l'embargo contre Israël en pleine guerre. En pleine guerre. En juin 67. L'année suivante, nous avions mai 68. Et depuis, la France s'effondre. Et depuis ce temps-là, des accords ont été passés par les présidents français d'abord pour pouvoir créer le rabbia, le rabbi, l'alliance, le mariage entre l'Europe et les pays arabes. Un mariage spirituel et économique. Des accords ont été passés pour que nous puissions faire du commerce avec des pays arabes et qu'en échange, les Arabes puissent islamiser l'Europe. Regardez les résultats. De président en président, ensuite c'est passé de la France à l'Europe tout entière. Voilà ce qui se passe. Et nous devons maintenant obéir à la politique arabe concernant Israël. Nous sommes des dhimmis, nous sommes soumis. Voilà la catastrophe. Et encore, il n'y a pas longtemps, le président français a signé à l'UNESCO cette catastrophe qui fait que le mont du Temple n'a soi-disant jamais appartenu à Israël. Ils ont renié l'histoire. Et Dieu envoie des prophètes. Dieu envoie des prophètes.
Et les prophètes qu'il envoie sont souvent des gens qui sont méconnus. Jérémie n'est jamais sorti d'aucune école biblique. Jamais. Ça n'était ni un rabbin, ni un pasteur, ni un curé. Rien de tout ça. Certainement, c'était un berger. Et Dieu lui parle à lui tout seul. C'est-à-dire qu'il ne va pas être nommé par une autorité spirituelle quelconque. Il dit, voilà, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, contre le peuple du pays, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Il reçoit cet ordre, lui tout seul. Personne d'autre que Dieu l'envoie. Je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes. Jérémie, c'est le prophète des nations. Il va parler sur plus de 20 nations. C'est lui qui ouvre le temps des nations. Ce temps des nations où Israël et Juda sont dispersés, le temps des nations est ouvert et le temps des nations sera refermé quand le Seigneur a rendu à Israël sa terre. Le temps des nations est terminé. Maintenant, ça va être le temps du jugement des nations. Du jugement des nations et du jugement de l'Église. Le travail de l'Église se termine. Le relais va bientôt être transmis à Israël, qui va reprendre son travail spirituel. Les choses se terminent pour l'Église. Et le péché est installé depuis longtemps. Je voudrais reprendre le réquisitoire que Jérémie déclare au peuple de Juda. Parce que ce réquisitoire, on pourrait le reprendre par rapport à l'Église en général, par rapport à notre société. Premièrement, première chose qu'il dit, il n'y a pas de communion intime avec Dieu. Pas de communion intime avec Dieu. Jamais Israël n'a réussi à appeler Dieu mon Père. C'est pas moi qui le dis. Dans Jérémie 3, verset 19, il est dit, je disais, tu m'appelleras mon Père, et tu ne te détourneras pas de moi. Mais comme une femme infidèle à son amant, vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Première chose, pas d'intimité. Deuxième chose, les pasteurs, ou si vous préférez, les autorités spirituelles, ne prenaient pas soin des brebis. Jérémie 6, 14 nous dit, « Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a pas de paix. » Il pense à la légère. Écoutez, mes amis, j'ai beaucoup vu d'églises. Véronique et moi, nous allons à beaucoup d'endroits. Je peux vous dire que certainement plus de la moitié de l'église n'est plus dans l'église. De nombreuses personnes ont été blessées dans les églises et n'ont pas été soignées. C'est une honte. C'est une honte. Et Dieu va juger. Et si vous voulez aller lire dans Ézéchiel 34, ce texte extraordinaire, où Dieu dit, mais ces pasteurs n'ont pas pris soin des brebis, alors je retirerai moi les brebis de leurs mains,
et je les nourrirai moi-même. J'en prendrai soin moi-même, j'en referai la revue. Voilà ce que dit Dieu. Eh bien, je l'ai vu et je le vois souvent, des gens qui se sont retirés et qui cherchent à manger ailleurs. C'est une honte. La troisième chose que Dieu reproche, ce sont les bavardages et les calomnies, l'hypocrisie, le mensonge et la tromperie. Jérémie 9,4 nous dit « Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tous ses frères cherchent à tromper et tout ami répand des calomnies. » Vous vous rendez compte de l'état des lieux ? Catastrophique. Et puis, encore un autre reproche que Dieu fait, des prophéties qui sont fausses, plein de fausses prophéties. Et le peuple n'avait aucune crainte de Dieu. Dans Jérémie 7, au verset 8 et 10, on lit « Voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses, qui ne servent à rien. » Et puis, vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison dans laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Les faux prophètes, plein de fausses prophéties. Encore un autre reproche que Dieu fait, les véritables repentances avaient disparu. Jérémie 8,6 dit « Je suis attentif et j'écoute. Ils ne parlent pas comme ils devraient. Aucun ne se repent de sa méchanceté. » Et dit « Que t'ai-je fait ? Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. » Vous savez, quand on a vécu dans une société permissive, dans laquelle on n'a plus enseigné les enfants, il n'y a plus de solidité. Les racines n'y sont plus. Et on a tellement pris l'habitude que les choses sont normales alors qu'elles ne le sont pas, que je ne vois pas pourquoi on se repentirait. Les choses sont devenues normales. Et ça, Dieu dit, mais vous avez perdu les Écritures, vous avez perdu la lumière. Et Jérémie même, dans sa propre famille, était rejeté. Dans Jérémie 12,6, on lit « Car tes frères eux-mêmes et ta maison de ton père te trahissent. » Il était seul. Jérémie a été un homme seul, complètement seul. Et Dieu dit « Écoute, ne prie pas pour ces gens. » C'est grave, vous savez, parce que ça rejoint l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, si vous lisez les textes, vous allez vous rendre compte qu'il y a des fléaux qui arrivent. Ces fléaux n'ont pas pour objectif de ramener les hommes à Dieu. Ce sont des jugements. C'est pas pareil. Et là, Dieu dit à Jérémie, « N'intercède pas en faveur de ce peuple. » S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par l'épée, la famine et la peste. Si ce n'est pas un jugement, ça. Alors, mes amis, si je prêche sur cette chose-là aujourd'hui, ce n'est pas pour que la peste arrive sur nous. Mais c'est pour que nous reprenions le chemin de la parole de Dieu et que nous retournions à Dieu avant qu'il soit trop tard. Vous voyez, ils étaient tellement inconscients, que Dieu dit à Jérémie, « Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront, pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel, notre Dieu ? » Et c'est vrai, quand vous parlez au monde,
ils disent, ben, nous, on est des gens bien. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? J'ai rien fait de mal. Alors pourquoi tu me menaces comme ça? C'est pas moi qui menace. C'est Dieu qui parle. Revenez à moi de tout votre cœur. Et Jérémie était tellement détesté. Vous savez, on n'aime pas des prophètes qui disent ça. Il était tellement détesté que les autorités spirituelles de l'époque et les autorités spirituelles actuelles sont pas mieux. Ils disaient, venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. C'est-à-dire que ces autorités, comme les autorités actuelles, ne sont pas étouffées par leur courage et elles font tout lâchement. Vous n'avez pas remarqué ça? Moi, j'ai remarqué. On pourrait multiplier ces choses, mais je voudrais dire que ceux qui ne retournent pas au Seigneur, ne retournent pas à Dieu, ils auront peut-être une statue sur la terre, car il est écrit, toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus, ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. Inscrits sur la terre. On aura peut-être une statue. Mon nom inscrit sur la terre. Ça fait une belle jambe. Moi, je préfère avoir mon nom inscrit dans les cieux. Et pour ça, même si je dois perdre ma vie, je préfère la perdre, mais avoir mon nom là-haut. Parce qu'il faut voir loin. Il ne faut pas voir à court terme. Vous savez, on nous parle souvent dans les églises, quand je vais à droite, à gauche, on nous dit « Ah, il va y avoir un réveil, il va y avoir un réveil. » Laissez-moi vous dire que j'y crois pas du tout. Le réveil, il y en a un actuellement. Il y en a un. Mais il est tellement différent des autres, il est tellement différent de ce qu'on attend, qu'on ne se rend même pas compte que c'est un réveil. C'est quoi? Eh bien, c'est que vous avez des gens, dans les églises et ailleurs, qui tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, se mettent à aimer Israël, à aimer Yeshua, et se mettent à aimer la Torah. Vous savez pas pourquoi c'est comme ça? Eh bien, ça, c'est un réveil, c'est le réveil des ossements. C'est une résurrection. Et ça, c'est pas ce qu'on attendait. Alors on dit, c'est pas un réveil. Ben moi, je vais vous dire, ce réveil-là, non seulement c'est un réveil, mais personne ne pourra l'arrêter. Parce que Yeshua est en train de rassembler son peuple. Et lui, il les connaît, et il va les chercher un à un. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il nous connaît. Il connaît nos racines. Alors, comme je suis malheureux quand je vais dans les églises, comme je suis malheureux, ça fait depuis mai 68 qu'on voit que les enfants, peut-être pas ici, je parle pas forcément pour ici seulement, mais que les enfants ne sont plus enseignés correctement dans la parole de Dieu. C'est toute une génération qui est en train de se perdre. Toute une génération. Et nous voyons dans le psaume 102 que nous sommes à la dernière génération. C'est la dernière. Et que cette dernière génération va subir les tentations les plus terribles qui n'ont jamais existé. Si nous n'avons pas enseigné nos enfants, je vous dis, c'est de l'iniquité. Qu'est-ce que c'est que l'iniquité ? C'est d'envoyer les gens dans une voie qui mène à la mort. C'est ça, l'iniquité. Quand nous étions jeunes mariés, Véronique et moi, on disait, on ne va pas enseigner nos enfants, on va les laisser grandir et plus tard ils choisiront. Ah oui? Ils vont choisir entre la télévision et puis quoi?
entre Internet et la télévision, et Dieu, il est où là? Si tu n'as pas enseigné tes enfants, si tu ne les as pas inculqué la parole de Dieu, comment veux-tu qu'ils choisissent? Si tu ne fais pas ce travail, tu es inique et tu rendras compte. Parce que tu envoies tes enfants en enfer, c'est la preuve que tu ne les aimes pas. Excusez-moi, je suis un peu en colère contre ces choses-là, mais c'est la vérité. C'est la vérité, il faut qu'elle soit dite. Et pour beaucoup de familles, laissez-moi vous dire, sauf la grâce de Dieu et de beaucoup de prières, mais pour beaucoup de familles, il est trop tard. Jérémie a dû combattre les faux prophètes, il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup de notre temps aussi. Et il a voulu aussi montrer des exemples. Il a dit, mais regarde, il y a des gens qui sont étrangers à Juda et qui sont plus droits que Juda. Il y a des gens qui sont étrangers à l'Église et ils sont plus droits que les gens de l'Église. Et il prend l'exemple des Récabites. Les Récabites, c'était des descendants sans doute de la famille de Jéthro. Ce n'étaient pas des Juifs. Mais leurs ancêtres leur avaient dit de suivre la Torah. Et surtout, il leur avait dit, vous ne boirez pas de vin. Et Jérémie, à la demande de Dieu, va les emmener dans le temple et il va leur offrir du vin à boire devant tout le monde. Et les Récabites vont dire, nous ne boirons pas de vin parce que nous avons promis à notre ancêtre de ne pas boire de vin. Et Jérémie dit à Juda, voyez, ces gens-là, eux, ils ont conservé la droiture. Et il les prend en exemple. Ils ont conservé la droiture. Et vous, non. C'est un prophète qui va rappeler le passé et qui souvent va dire, mais enfin, je vous ai envoyé des prophètes, mais vous ne les avez pas écoutés. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés à chaque jour dès le matin, mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi le cou, ils ont fait le mal plus que leur père. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes dans une période finale où nous devons... Il y a différentes façons, vous savez, de vouloir s'approcher de Dieu. Et j'ai vu dans de nombreuses églises beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités. J'étais moi-même dans beaucoup d'activités. Un jour, Dieu m'a arrêté par la maladie. L'activisme dans les églises, c'est un moyen de s'imaginer qu'on est utile et important. L'activisme, ça tourne la tête comme une toupie et ça épuise le corps. Vous n'avez pas remarqué ça? Et l'activisme, ça ne sert à rien. C'est un piège. Et dans beaucoup d'églises, on est des activistes. Il faut absolument être aux réunions, il faut absolument faire ceci, faire cela. Il faut absolument ceci. Et moi, un jour, le Seigneur m'a arrêté. Je crois que je vous l'avais expliqué déjà. Mais 4 mois et 11 jours, il m'a arrêté. Et au bout d'un mois, normalement, j'aurais dû être guéri. Et il m'a envoyé chez le spécialiste. Et là, le spécialiste m'a dit, mais vous avez peut-être un cancer du foie. Et je me suis effondré. Parce que ce n'était pas prévu dans mon programme, ça. C'était pas prévu.
Je m'occupais des jeunes, je m'occupais de l'école du dimanche, je m'occupais de la comptabilité, je m'occupais d'un tas de choses, de faire les études bibliques, enfin bref. Et tout d'un coup, Dieu m'arrête, et je sais que c'est lui qui m'a arrêté. Parce que je l'ai eu par un verset, le jour du Nouvel An. Prends patience, ressaisis-toi, prends patience. Ah bon ? Mais Seigneur, ressaisis-toi, j'arrête pas de faire des choses pour toi. Tac, arrêté. Au bout d'un mois, on me dit, t'as certainement un cancer du foie. Mais Seigneur, moi je suis pas prêt à mourir. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, mais tu sais, tout ce que tu fais là, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est d'avoir une relation avec toi. Une relation. Et je vous dis, frères et sœurs, et je vous le dis de tout mon cœur, faites un Shabbat dans votre vie. Faites un Shabbat dans votre vie, un vrai Shabbat. Pas un Shabbat de course, hein, où on va de réunion en réunion. Hein. Attention, hein, parce qu'on sait aussi organiser des Shabbats de course. Ça, j'ai remarqué. Un vrai Shabbat, c'est vous mettre à part pour Dieu. Écoutez Dieu. Mettez votre vie en règle. Tout ce que Dieu n'a pas planté sera arraché. Attention. Tout ce que nous avons fait dans notre vie qui n'a pas été fait légalement dans les mains de Dieu sera brûlé. Moi, j'ai vu des héritages, des sommes folles, des héritages qui ont été perdus parce que l'argent n'avait pas été honnête. Des sommes folles. Dieu sait mettre en ordre, vous savez. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Je vous avais raconté comment Dieu a vu notre mariage. Et au 40e anniversaire de notre mariage, il nous a rendu notre mariage parce qu'on nous l'avait volé. Il est juste, il voit tout, il comprend tout. Et il connaît toutes nos vies. Alors moi je vous dis, avant qu'il soit trop tard, mettons nos vies en règle. Mettons-nous devant Dieu. Parlons avec lui. L'activisme, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et n'oubliez pas une chose, c'est que Yeshua, quand il était là, il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Que ça. Ça veut dire que lorsque nous aurons bien mis nos vies en règle, et moi j'invite tout le monde à le faire, moi avec, alors il nous donne des œuvres préparées d'avance à faire. Et ce sont des œuvres d'amour, mais ce sont des œuvres utiles pour son royaume qui vient. Savez-vous que le Seigneur est en train de recruter ? Le royaume vient bientôt. Il a besoin de recrues. Qui pourra tenir dans son royaume et qui ne pourra pas tenir dans son royaume ? Je vais vous dire, cette question est importante, hein ? On va rentrer dans des guerres, vous le savez. Le monde va se détruire. Il y aura peut-être des bombes atomiques, il y aura peut-être tout plein de choses comme ça. Mais regardez un peu les gens. Regardez un peu la souffrance qu'il y a en Syrie. Regardez les enfants. Ils sont détruits. Vous croyez que le Seigneur, quand il va venir avec une baguette magique en disant « Ding, tout est réparé ?» Certainement pas. Il vient avec une verge de fer. Non seulement ça, mais il va régler le compte aux nations. Et après, il faudra rétablir le monde. Et là, il aura besoin de nous pour régner avec lui et réparer le monde. La réparation du monde. Tikkun haolam. La réparation du monde. Qui est capable de réparer des hommes et des femmes qui auront été détruits dans leur âme
Eh bien, je vous dis, Dieu regarde nos cœurs actuellement. Il regarde nos cœurs. Il sonde nos cœurs pour voir comment nous sommes. Et il dit, toi, je te donnerai le gouvernement de 10 villes. Toi, je te ferai faire ça. Toi, je te ferai faire ça. Ils sont nos cœurs maintenant pour l'avenir. Peu importe mon sort, dans ce monde actuel, je m'en moque. Ce qui compte, c'est le monde à venir. Et c'est un monde très concret. Très concret. Très pratique. Alors, je voudrais vous parler de ce prophète méprisé, puis je terminerai là-dessus. Pourquoi était-il méprisé, Jérémie ? Vous voyez le choix de Dieu. Jérémie est né à Anatot. Anatot, c'est une toute petite ville à 5 km au nord-est de Jérusalem. Et cette petite ville, elle est très particulière. Vous savez que à Aaron, la tribu descendant d'Aaron a eu 13 villes. Et parmi ces villes, il y avait Anatot. Donc c'était une ville de prêtres. Et ça faisait partie des 48 villes lévites. Et donc Anatot était à côté d'un petit village qui s'appelait Nob. Alors ça vous dit peut-être rien ça, mais c'est important, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à un moment donné, David se sauvait parce que le roi Saül voulait le tuer. Et il est allé à Nob, dans ce petit village, parce que c'est là qu'était l'épée de Goliath, qui était cachée derrière l'éphod. Et c'est là, à Nob, que David va demander, il avait faim, il mourait de faim, il va demander les pains de proposition au sacrificateur. Il va manger les pains de proposition, et à cause de ça, Saül va faire tuer tous les sacrificateurs de Nob, sauf un qui va réussir à se sauver, et qui s'appelle Ahimelech. Ça va, vous me suivez ? C'est le fils d'Ahimelech, pardon, qui a pu se sauver. Il s'appelait Éviatar. Alors, Éviatar et Tsadok sont devenus les deux grands sacrificateurs de l'époque de David. Et puis, au moment où où David allait mourir, il y avait une lutte de succession pour prendre le trône. La dispute se faisait entre deux frères, Adonira et Salomon. Et malheureusement pour Éviatar s'est mis dans le camp d'Adonira et Tsadok s'est mis dans le camp de Salomon. Alors Salomon a dit à Éviatar, puisque c'est ça, je te destitue, tu ne seras plus grand sacrificateur, je te renvoie dans ton village, et il l'a renvoyé à Anatot, et à partir de ce moment-là, tous les sacrificateurs d'Anatot ont été maudits. Et Jérémie était l'un d'eux. Vous comprenez pourquoi Jérémie était méprisé ? Parce qu'il venait d'Anatot et il ne pouvait même plus exercer de sacerdoce. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, il était berger. Méprisé, complètement méprisé. Dieu est allé chercher... Alors vous voyez, on est parti d'Ésaïe qui était d'une maison noble... Il a été scié par son petit-fils
Et Dieu va chercher le plus misérable, des méprisés, et il dit, maintenant tu prends le relais. Et je vais faire de toi le prophète des nations. Extraordinaire. Et puis il y a une autre chose qui faisait que Jérémie était méprisé. C'est qu'il y avait un bruit qui courait. Vous savez que la tradition dit qu'il y aurait... Vous vous rappelez de l'histoire de Jéricho? Il y avait Rahab la prostituée. Eh bien, il y a une tradition qui courait, qui disait que Rahab avait eu des enfants et que parmi ses enfants, il y avait 8 prophètes, dont Jérémie. Alors on disait, Jérémie, c'est le fils d'une prostituée, méprisée. Et puis, on disait aussi de Jérémie que c'était un collabo. C'est compliqué à expliquer, mais vous savez, quand il voyait arriver le roi de Babylone, Jérémie a voulu sauver Jérusalem. Et il a dit, soumettez-vous au roi de Babylone. Et la population de Juda a dit, mais t'es un traître, t'es un collabo. Il ne faut pas se soumettre. Et il leur disait, si vous vous soumettez, vous aurez la vie sauve. Et eux, ils n'ont jamais voulu. Et c'est comme ça que le temple a été détruit. Alors, il passait pour un collabo. Alors, je voudrais terminer en vous disant que le temps de Jérémie et le temps actuel se ressemblent très fort. Très fort. La menace, elle n'est pas loin. La menace de la guerre n'est pas loin. Je n'ai jamais vu autant d'armement dans le monde. Si vous lisez les revues, etc., vous vous rendrez compte que les dépenses militaires n'ont jamais été aussi importantes. On fabrique maintenant des missiles qui volent à Mach 9 et qui vous tombent dessus. Vous ne savez pas d'où ça vient, avec des bombes hypersoniques. Le monde peut être détruit en une fraction de seconde. Comment se fait-il que nos cœurs se soient si endurcis alors que nous sommes si proches de la fin? Comment se fait-il que les repentances dans les églises soient devenues si rares? Comment se fait-il que la crainte de l'Éternel ait disparu? Comment se fait-il que la parole de Dieu soit de moins en moins lue? Peut-être pas ici, mais je vous assure. Faites le tour et vous verrez. Je voudrais prendre une image. Imaginez que vous habitiez près d'un volcan. Et on vous dit que demain, ce volcan va exploser. Alors, on vous donne une voiture. Eh bien, il y a ceux qui vont prendre le mode d'emploi de la voiture et qui vont le lire. Et puis, il y a ceux qui vont se débiner avec la voiture. Soit vous lisez le mode d'emploi, soit vous l'appliquez. Il n'y a pas 36 solutions. Dans les temps qui vont venir, il y a des gens qui vont vouloir sauver leur peau et il y en a qui vont vouloir sauver leur âme. Il va y avoir des trahisons, il va y avoir toutes sortes de choses. Si vous aimez réellement le Seigneur, il vous sauvera. Bien sûr, je n'ai aucune crainte, même si je dois perdre la vie. Aucune crainte. Le Seigneur a retiré de mon cœur cette peur que j'avais avant de perdre la vie. Il l'a retirée de mon cœur. Parce que maintenant je sais qu'il revient bientôt pour installer son règne et que je vais régner avec lui. Parce que je lui ai donné ma vie. Et je vous invite tous à le faire.
Nous, chrétiens, nous aimons beaucoup les beaux témoignages de délivrance. Hein. Eh bien, Jérémie a vécu tout le contraire. Et il aurait même pu dire à la fin de sa vie, « Ma vie a été un échec. » Mais c'était l'un des plus grands prophètes de tous les temps. Que Yeshua est allé chercher au fin fond d'une ville maudite. Et il l'a élevé. Jérémie a vécu en quelque sorte un peu des souffrances de Dieu. Et s'il pouvait aussi toucher nos cœurs de la même manière, de façon à ce que nous puissions tous nous retrouver près de lui, ramollir nos cœurs, ouvrir nos cœurs, afin que nous puissions mettre nos vies en règle. Que Dieu vous bénisse.